Bonjour à tous, et oui, République of Serbia, et oui, 3 km, et oui, nous sommes le 3 mars, et donc on va finir l'étape juste au poste frontière, car on va pas passer le poste frontière aujourd'hui, car on a un hôtel en Bulgarie pour revenir et repasser demain. Donc on s'arrêtera juste avant, mais demain on entrera en Serbie. Alors on aura parcouru 380 km en Bulgarie et plus les 151 donc en Turquie. On sera donc à 531 km sur cette deuxième partie de traversée du continent européen. Voilà, donc on va quitter la Bulgarie. Ça a été un super moment. Moi j'ai bien aimé. Ce matin j'ai vraiment apprécié Sofia. Il y a 5 ans qu'on avait fait le tour d'Europe, on l'avait passé sous la neige, c'était pas beau, là c'était magnifique ce matin. On a vraiment apprécié. Et donc voilà, dernière petite chose sur le pays, sur la Bulgarie, il faut savoir que c'est le plus ancien pays slave encore en existence. Et oui, voilà. Et puis je vous parlais hier vous savez, du fameux petit objet, le marsidien. Alors voilà, j'en ai trouvé un, hein. Je vous fais voir un petit peu ce que c'est. Alors je vais vous le faire voir ici, voilà. Donc voilà, ça c'est un marsidien. Donc alors il y en a un petit peu de différentes sortes et différentes tailles. Mais l'essentiel c'est que la couleur soit rouge et blanche, et donc voilà ce qu'on arbore, soit dans les voitures, soit sur son veston pendant tout le mois de mars. Bon voilà, donc on va aller jusqu'au passe frontière. L'étape sera un peu plus courte, à mon avis ça sera du 64-65 km. Sur ce, je vous dis à ciao, portez-vous bien, salut à toutes et à demain, bye. Quand on est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fin d'étape, on essuie les pieds et on chute. Alors, on chute et on chute sur la tête, et là ça fait mal. Bon, bref, on arrive au poste frontière, donc je pense que tout va se régler. Il va falloir surtout que je désinfecte et que je me dépêche de rentrer à l'hôtel. Sur ce, ciao, portez-vous bien et attention aux chutes. Salut à toutes et à tous.